Salut, salut les pros. Voilà, félicitations et bienvenue dans cette dernière vidéo. Ici, on va faire des petites optimisations. Vous pouvez bien voir que ce n'est pas du tout beau avec cette taille d'écran que nous avons jusqu'à 3 cadres. Pour moi, il faut afficher maximum 2 cadres pour cette type d'écran médium parce que c'est un AMD actuellement et puis peut-être 3 pour la suite. Et voire peut-être 4 pour les écrans extrêmement larges. Donc déjà, également, on va changer un peu la police. On va également se rassurer que l'espace, le padding, s'il n'est plus assez grand comme ça pour les petits écrans. Vous pouvez bien voir comme moi que ce n'est pas du tout présentable s'il y a trop d'espacement. Et pour ça, on va essayer de faire quelque chose. Allez, on entre dans notre cours pour ne pas perdre du temps. Ceci concerne la partie main si. Donc, on va revenir ici et dire pour tout type d'écran, on prend le padding à 4 et c'est jusqu'à ce que l'écran devient médium qu'on peut lui donner un padding de 14 pixels. Oui, 14 pour moi, c'est bon. Et vous pouvez directement voir que déjà on a résolu ce problème d'espacement. Et même si on est sur un écran large, voilà à quoi ça ressemble. Donc, allez, on va penser maintenant aux cartes. Donc, pour ça, on va dire pour les écrans médiums, nos cartes, c'est où? C'est ici. Donc, on dit grid system. Et déjà, le grid system doit être tout simplement sur les écrans médiums. Et on dit pour grid system, quand c'est médium, on lui affiche tout simplement 2. Même si c'est large également. On peut lui afficher 2, mais c'est quand c'est extrêmement large, qu'on peut afficher grid comme 3. Oui. Donc pour les écrans médium et large, on affiche 2, mais si c'est un écran extrêmement large, on affiche 3. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Voilà, vous pouvez voir qu'on a déjà 2 ici. Et si on est à ce niveau, c'est bon, ça affiche 3. Vous dites qu'on est déjà dans un écran extrêmement large. Voilà, je pense que la suite c'est de peut-être réduire un peu la taille ici sur les petits écrans, je pense. Sur les petits écrans, je vais appliquer tout simplement encore un petit style là-bas qui dit pour les écrans normaux, c'est comme ça, mais si c'est un petit écran, on met texte small. Donc pourquoi pas tout simplement médium au lieu de je veux dire au lieu de 2x on met tout simplement 1x1. Voilà, je crois que c'est possible. Texte xl au lieu de dire 1xl on met tout simplement xl. Et puis qu'est ce que ça va nous donner? Je pense c'est lorsque on est sur les petits écrans qu'on peut vraiment voir la différence. Ok, en principe c'est un peu ça. Et là, si on n'a pas mis up quelque chose, je crois que ici on devrait le laisser en grid, même si on est sur les petits écrans, parce que là, je crois que quelque chose s'est créé déjà. Ce vide-ci était en train de s'effacer. Voilà. Donc, en bref, je pense qu'on a résolu le problème. Il faut maintenant ajouter les autres images parce que j'avais initialement préparé presque 12 images. Ou 13 images comme ça. Donc je vais prendre celui-ci, shift alt la flèche du bas pour le multiplier et ajouter d'autres produits. Vous voyez, donc on était à quel niveau? On va continuer. Beignet Alco, beignet bouillie Alco, BHB, PHP. On va abréger tout simplement comme ça. Question de temps, on va également prendre Bongo Chobi. On va le remplacer ici par Bongo Chobi. Je ne sais pas si c'est le bon orthographe. Bref, je ne m'attache pas souvent trop à ça. Si c'est pas ainsi pour mettre en production, Coquille Plantain, c'est l'un des meilleurs ici. Allez, je vous invite au Cameroun pour manger ces menus. Donc allez, on a également quoi? Foufou Hero déjà, foufou sauce pistache.
Je sais pas si on dit sauce pistache ou sauce pistache. Fou. Sauce. Pistache. Ah, quelque chose comme ça. Ici, on regarde ici. On va bien voir tout notre menu. Pour les recettes les plus récentes, on a le poisson braisé, le porc braisé, poulet DG, Hero, BHB beignet bouillé haricot, le bongo chobi, le cookie et le foufou sauce pistache. Donc, on va continuer avec notre liste pour les produits les plus populaires. Donc, on va d'abord retirer ce P qui n'a pas lieu d'être. Et là, on va commencer avec le copier-coller parce que on a déjà nos cartes qui sont assez bonnes. Donc on va prendre le conteneur de toutes nos cartes ici. Déjà le parce que ici on n'avait pas fait cela. Et puis on va copier n'importe quelle carte là et on va le mettre ici et remplacer avec les images en question. Donc on a foufou sauce combo. Oui, après le foufou sauce pistache sauce gombo. Après cela, on va faire un duplicata avec Shift Alt flèche du bas. Et puis, si on y revient, on va changer ceci pour mettre quoi? Plantain doulé. Oui, le plantain doulé, c'est aussi un très bon menu. Donc, vous pouvez essayer quand vous êtes au Cameroun ou si vous visitez un endroit, il y a les menus du camé là-bas. Donc, on a les pommes pilées et on a également quoi? On a également le porc brisé déjà, poulet déjà, taro sauce jaune. Voilà. L'un des meilleurs en fait, je savais, je mettais en top de la liste taro sauce jaune. Bref, je crois que c'est impeccable. Là, notre sauce gombo, plantain doulé, notre pilée de pomme et notre sauce jaune. Voilà, et le bouton charger plus pour obtenir plus de résultats, mais bref, c'est un peu ça. Je crois que là, nous avons fait le tour de notre application. On a créé notre propre logo et je pense que c'est assez intéressant. Donc, allez, félicitations encore. Ce qu'on va faire, on va passer à la suite pour faire un petit bref briefing pour la fin de notre série. Allez, restez scotchés.